Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués téléspectateurs, distingués internautes, bienvenue sur ma chaîne Bax Show TV. Et j'ai le réel plaisir pour moi de recevoir en lieu et place dans le 91, là où on appelle la plateforme, le leader incontestable. Lui, c'est la personne qui pousse la musique congolaise à évoluer vers de nouveaux horizons. Il est un grand leader du groupe Extra Musica, actuellement en tournée pour sa promotion pour le grand concert qui se tiendra au Casino de Paris le 19 mai. Et tel que vous êtes en train de le constater, nous avons la présence de celui qu'on appelle Roga Roga Missy Lezebira. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la plateforme de Grigny, en plein promotion de ton concert. Force à toi, nous voulons que ce soit un concert réuni. Voilà, on peut dire que la raison pour laquelle tu as fait ce déplacement pour venir rencontrer les Congolais de la diaspora, des confrères, et non seulement les Congolais, il y a également des Ivoiriens, également les RD Congolais. Quel est ton plaisir aujourd'hui, une fois que tu es arrivé sur place ici à Grigny? Franchement, c'est un grand plaisir, parce que bon, on a sillonné partout dans le monde, hein. On est parti à Montréal, un peu partout, mais l'ambiance que je suis venu vivre ici, c'est exceptionnel. Franchement, Grigny, félicitations. Et là, tel que vous êtes en train de voir, c'est l'amour. Les gens sont entre eux, on prend un petit pot, on mange, on échange. Et j'ai voulu vraiment toucher du doigt cette ambiance. Parce que bon, souvent, on se voit seulement dans les lives. On a le concert, je suis sur le podium et vous êtes en bas. On n'arrive même pas à avoir le temps d'échanger, mais là vraiment, on est là en famille. Je peux dire on est en famille, hein, parce que bon, là j'ai l'opportunité de vous écouter, d'écouter tout le monde, et surtout d'écouter des propositions, parce que bon, le plus souvent quand on vient jouer, on propose au public notre répertoire, mais cette fois-ci, c'est le public qui me propose. Donc c'est un grand plaisir, et merci beaucoup de m'avoir accueilli ici à Grigny, Grigny-le-Mogne. De retour sur la scène parisienne, président Roga Roga et son groupe, l'incontestable groupe Extra Musica. Qu'est-ce que président Roga Roga, en tant que leader, attend offrir à ce mélomane après tant d'années que Extra Musica a manqué de prester sur la scène parisienne? Bon, sa voix, il faut le dire, hein, ça fait 6 ans qu'on s'est pas produit ici. Mais l'événement, le rendez-vous est prévu pour le 19 mai 2024 au Casino de Paris. Et si je suis venu ici, c'est pour échanger, être en contact avec le public, la diaspora que vous êtes en train de voir. Et nous allons nous retrouver le 19 mai au Casino de Paris. Et ce qu'on a préparé, c'est... Bon, en fait, on est en train de se préparer pour exploser la scène du Casino de Paris. Mais ce qui me reste à vous dire d'acheter les billets et venez. Ne ratez surtout pas ce rendez-vous parce que c'est bien préparé. On a préparé comme des Terminators. Venez, vous ne serez pas déçus. Président, quelles sont les motivations de cette campagne, de cette promotion que moi je qualifierais une campagne à l'Obama, une campagne à l'américaine du porte-à-porte? Quelles sont les motivations de cette campagne? Mais je vais vous dire une chose. Que nous sommes un peuple. Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple qui n'a pas d'identité. Je pense que nous, les Congolais de Brazzaville, notre unité dépend de la culture. Donc, étant donné que je suis l'un des pionniers de la culture, je me suis dit, il faudrait que je puisse venir, écouter vos conseils, avoir votre bénédiction, parce que c'est très important. À travers la culture, nous allons relever le défi et puis faire à ce que le Congo puisse figurer dans, comment je peux dire, la lumière, figurer sous la lumière de ce monde. Donc, je sais que nous sommes ici, c'est la diaspora. À travers la diaspora, on apprend beaucoup de choses. À travers la diaspora, on arrive à acquérir des conseils, ainsi de suite.
là, déjà, j'ai... Vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce que nous avons vu. On aura certainement l'occasion de voir. Ouais. Alors, président, je ne vous prendrai pas du temps. Certainement, vous aurez peut-être une discussion avec les mélomanes qui sont présents ici. Alors, quelque chose qui m'intrigue beaucoup plus, qui m'a beaucoup attiré. Alors, parlons depuis le coco. Jusqu'au dernier son que vous venez de sortir pour la promotion du concert de Casino de Paris. Mais j'ai constaté un petit truc que vous êtes en train de faire la promotion des langues du sud du Congo. Précisément le lari. Ça a commencé par Bokoko Shimba, Boma, et aujourd'hui ça revient encore avec le Likovi. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Et c'est une façon d'être en contact avec ce peuple du sud Congo. Je vais vous dire une chose. Je séjournais dans le ventre de ma maman à Mindouli. Mon grand frère que je suis est né à Mindouli. Et moi, c'est mon père qui avait décidé que je puisse naître à Brazzaville, parce qu'il a fallu que je puisse naître à Brazzaville. Et je suis reparti à Mindouli. J'ai grandi à Mindouli. Mes premiers pas, c'était à Mouyondi. Vous comprenez? Donc, pour moi, je trouve que nous avons une culture très riche, notamment les langues. Parce que langue Bembe, Kikongo, Vili, Boshi, Kuyu, c'est des langues que nos ancêtres nous ont léguées. C'est une richesse. Donc cette richesse-là, ce n'est que moi, artiste et musicien, qui peux vendre cette richesse. Parce que, bon, c'est vrai, un papa qui vit à Boko, qui parle, Larry, ça reste seulement Boko. Il faudrait que moi, je puisse prendre et exporter cette langue afin que le monde entier puisse savoir que, au Congo, il y a une langue qu'on appelle le Lari, il y a une langue qu'on appelle Congo, Vili, et ainsi de suite. Donc je fais que mon travail, et puis c'est normal. Un artiste et musicien doit vendre sa culture. Et c'est par rapport à ça. Voilà. Merci. Un dernier mot pour nos internautes qui vont nous suivre. On sait bel et bien que le seul rendez-vous c'est le 19 mai. Mais quand même, que ça vienne de votre part, ça aurait beaucoup plus d'impact. Bon, franchement, il me reste à vous dire qu'on se retrouve le 19 mai au Casino de Paris, 19 mai 2024. Et retenez bien, le concert va débuter à 19h et 22h, c'est fini. Donc ne pensez pas que, parce que nous, on a l'habitude de venir en retard, mais celui qui viendra après 22h, le concert est déjà fini. Donc, on commence à 19h et 22h, c'est fini. Donc, rendez-vous au Casino de Paris le 19 mai. Il y aura after après. Oui, after après. Il y a une adresse. Bon, c'est pas encore tout à l'heure dans les réseaux sociaux. On va vous divulguer aussi. C'est là. Donc, pour le moment, on n'a pas encore. On ne s'est pas encore bien organisé pour ça. Voilà. Merci beaucoup, restez scotché, branché, abonnez-vous massivement sur cette chaîne Patricio TV. On était donc bel et bien avec Roga Roga, le leader incontestable du Congo, le seul et l'unique musicien au Tchibala, la monde. Donc ceux qui y étaient, mais ma wapenza, penza quoi. Donc voilà, continuez à vous abonner, je suis très content qu'il soit venu visiter ses Congolais de la diaspora. Bien, monsieur, on se retrouve prochainement, merci. Mes chers amis, tout par le petit. En direct de la plateforme de Grigny, Farah Legeta, le King de Versailles. Là, on a reçu le grand artiste congolais. Je l'appelle Monsieur Roga Roga, parce que c'est un monsieur. Oui, tout à fait. C'est un monsieur. Donc, n'oubliez pas le grand rendez-vous. Hein. Le grand rendez-vous, en fait, du dimanche 19 mai. Je vais. Dimanche 19 mai, au Casino de Paris. Venez nombreux, Africains, Européens, Asiatiques, je ne sais pas, voilà. Donc, venez nombreux soutenir notre cher artiste Roga Roga Missile, Farah Baleketa, le King Versailles. N'oubliez pas, pour les gens qui veulent en fait passer un bon séjour au Congo Brazzaville, veuillez me contacter au 06 16 13, je recommande, 06 13 16 13 74. Auberge le King Versailles Condition, niveau Zanda. La pub, donc, du coup, voilà. N'oubliez pas le salon Rock qui t'entoure, le DG et le président Nissem Yabi. Le vrai gars, en fait, va Simi Evry. Donc, tout ça fonctionner. Sans vous oublier, lui-même, un certain Bembal, plateforme, niveau Zanda. Donc, voilà. Samouniena, donc, ce n'est pas comprendre. Plateforme, du Mante Dumaga, vous t'entend. Samouniena, Yayakulu, Yalino de Papito, encore le fait tout ça là. Gigi à peu près voisin. Donc voilà. Donc, mes chers amis,
je profite encore. Le 19 mai, au casino de Paris à 19h. Tout le monde, que tu sois Congolais, Ivoirien, bon, en général, tous les Ivoiriens et tous les Congolais, et tous les, en fait, tous les Africains. Merci beaucoup, merci. Sans oublier le caméraman, lui-même, un certain Dieu veille, Nivo Zanda. Merci mon frère, bisous, ciao, merci. Le concert c'est 19h. Il faut acheter vos tickets le 19. Ils sont là. Reste là. Le concert c'est le 19. Le 19 mai au casino de Paris, ça sera un dimanche, le 19 mai. Rocarot à missile. Rocarot à missile, bon coco. Le 19 mai au casino de Paris, avec Rocarot. Hasta la.